J'ai fait quoi hier le paradis? J'ai vécu quelle vie? Les gens sont ils de vie, toi tu me. Quelqu'un qui moi j'aime pas la vie. Moi j'aime bien poésie là d'abord. J'ai vu le paradis maintenant. Si il est parti, ils sont partis au paradis. Il a quitté l'église. Il m'a trompé, ce jour-là il mangeait, il y a lequel paradis. Toi tu as vu le paradis, comment il y a le paradis? J'ai cherché Dieu. J'étais là, j'étais coincé. Il y a trop de choses qui deviennent dans ma tête. Où j'affronte la sorcellerie, corps à corps. Ce qui entre nous. Où est le miracle de Dieu? Il y a le miracle de Dieu. C'est quand la dame est venue dire, est-ce que tu peux faire une expérience avec Jésus? J'ai fait l'expérience avec Jésus et ça marche. C'est pour ça que quelqu'un. Non, ça marchait. J'ai une expérience avec Jésus. Quand je vois les gens parler, Jésus est merveilleux. Cracrasso même là, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez une fois vu Jésus? Vous prenez la Bible, vous prêchez, vous la baptisez. Moi, j'ai vu Jésus plus de 30 fois. Qu'est-ce qu'il dit au pasteur? Je suis différent de vous. Oui, je suis différent de vous. Vous venez vous parler. J'ai vu Jésus comme je suis en train de vous voir. C'est ce qui m'a mené à la conversion. Donc, on n'est pas la même chose. Ah! Pas la même chose. C'est ça qui a édifié ma foi. Et puis, il dit Jésus, là, c'est bon. J'ai parti de religion. Je suis venu dans le christianisme. Si Jésus n'était pas révélé à moi, j'allais pas à l'église. Ensemble, les bons Seigneurs, il est vivant. Moi, je vois l'église comme connerie. C'est quand Jésus m'a délivré, il dit, toi, fait de Dieu, là, c'est sérieux. C'est ça que je vois les gens, leur chrétienté est bizarre. Je me pose beaucoup de questions. Vous suivez Dieu, vous avez un problème, il vous oublie. Et puis, quand même, vous êtes là, ça fait rien. Comment ça fait rien? Je suis en danger, il faut venir me secourir. Tu ne m'as pas sauvé, je te laisse. C'est pas forcément. Je suis en danger. Moi, j'ai besoin de toi, tu dis non. Bon, c'est que si tu es allé au paradis, moi, je ne sais pas comment on roule voiture, on mange pizza, on mange son grain, tout ça, je ne sais pas. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est quand j'ai vu la délivrance que je commençais à croire à la puissance de Jésus. Pour ça, je vous dis que Jésus existe, c'est une réalité, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Amen, c'est pas de l'amusement. C'est important de faire une expérience avec Dieu. Vous êtes là, votre chrétienisme, c'est plat. On ne sait même pas. Faites une expérience avec Dieu. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est vivant. Amen. Quand j'ai fait une expérience avec un homme, je vais sortir, j'ai fini de prier, tu vois, et 5 heures, je vois un ange dans ma chambre. Et puis nous, on se regarde. Je suis allé m'asseoir, on lui dit qu'on parle. Il ne fait pas peur, amen. Amen. Si vous voyez un ange, puis vous tremblez, c'est un démon. Le jour où vous voyez un ange, la paix va disparaître de vos cœurs. Vous serez content de voir l'ange. Parce qu'il va vous dire, n'aie pas peur. La joie commence à vous aider. Si vous voyez un être que vous effrayez, vous blessez dans la chambre, c'est un démon. C'est un démon. Non, il ne sourit pas. Il te regarde quand on a les yeux, tu tombes. C'est un démon. Dieu le monsieur. C'est un démon. Amen. Oh, l'ange de tout, il pose bien. Je regarde quand, au moment où on se sépare, il est 18h. Elle m'a bien saisi. Salut, le temps n'existe pas. Je n'ai pas senti le temps passer. Envie de manger, envie d'aller au faire mes doutes. Rien. C'est merveilleux de connaître Dieu. Vous êtes là, vos petites expériences. Moi, il sait qu'à un moment, je ne fais pas le feu. Le feu. Je suis désolé. C'est qui a envoyé sur toi là? Monsieur Sol Air. C'est quand ça vient sur toi là. Tu t'enterres toi-même. Je suis allé dans les doucement. J'ai des secrets. Je suis allé dans les doucement. Pour vous enseigner. Si tu fais pas, tu ne ferais pas ton ami. Celui qui va te frayer. Je parle avec l'ange. J'étais dans les difficultés. Il me posait la question, est-ce que je pourrais m'en sortir? Paf, bah, j'ai vu l'ange. J'ai une alliance avec Dieu. Le jour où Dieu m'a appelé, il voici l'alliance entre toi et moi. Chacun doit vous séparer. C'est pour ça qu'il le sait sans peur. Jette-moi dans un village, il n'a pas peur. J'ai fait le travail fort. Juste pour monter ici, ah, bien monter. Il y a des vidéos, on n'a pas mis sur le YouTube. Si met, vous allez mettre lui là-même. Là. Si vous mettez, ce n'est pas un monstre. Non. Mes deux bras sont rentrés dans le trou. Mes amis qui étaient en train de dire, les fées divines, Nébuchadnezzar avec Jésus. Il est le feu, il est en train de voir le prophète de mourir. Je suis resté seul dans le trou.
J'ai parlé, quand je rappelle la parole. Oui, parce que quand Dieu t'appelle, il y a une promesse, il te dit une parole. Quand tu nous rappelles, c'est l'objet d'agir. Amen. C'est ce qu'il dit aux gens. Il y a des gens, quand ils parlent à Dieu, Dieu écoute. C'est pas tout le monde que Dieu écoute. Amen. Amen. Il y a des paroles. Quand j'ai dit à Dieu, lui et moi, il connaît. Il oublie de descendre. Il est obligé d'intervenir. Je suis là. Les démons sont en train de jouer à moi. Un petit jeune niveau libéria dans le pays Gaudier. Et puis moi, il venait prendre. Au départ, il a dit non, il faut donner les œufs. Vous êtes chaud, non? Les œufs. Casser les, ça fait quoi, œufs? Après, on a dit non, c'est poulet. Ça ne nous rassagit pas les œufs, là. Après, œufs, c'est poulet, et mouton. Mouton, on a dit pourquoi on veut manger bœuf. Bœuf, maintenant, c'est l'homme. Et donc, on s'en va peur. Hein? Oui? Si vous cherchez, vous allez le trouver. Vous voyez le diable, il est malade. Ils ont peur. Ça prend. Vous voulez pas donner là, oui. Lui, il prend, il trie. Il dit, lui, là. Et lui, là, il va manger, puis il mange. Dans le mois où, dans l'année où tu, au moins 6 personnes, chaque 6 mois, les gens meurent. C'est un petit cochon à l'affronter. Je regarde lui-même le petit, jamais veut me prendre. Tous mes gars, c'est que je comptais. Ouh, ils m'ont laissé dans le combat. Je n'entends plus le feu du vent. S'il est sorti, c'est ça. S'il n'est pas sorti, nous, on se cherche. Mais c'est pas nous qui l'avons dit d'aller criser petit. Ah! J'ai lutté ça. J'ai fait sortir. C'est maintenant écrit Jésus, Jésus, Jésus. Bon, je suis rien, mais... Oh, quand j'ai touché le petit, c'est comme une balle. L'esprit est parti. La chose. Dieu est puissant. Amen. Amen. Non, frère, Dieu est puissant. Dieu, là, il est puissant. Il est puissant. C'est ça que moi je crois au miracle. Quand les gens viennent parler, je dis je crois à ton miracle. Mais ce n'est pas une question de grâce. Dieu peut te guérir. Oui. Moi je ne pensais pas que j'allais m'en sortir. Aujourd'hui je parle, les gens écoutent mon témoignage. Mais c'était grave. Je ne peux pas aller. Quand il fait nuit, j'ai peur. Parce que dès que je commence à dormir, je vais commencer. Je ne peux pas dormir. Mais pour moi, je sens que ça brûle, plaît. Quand il fait jour, ça disparaît. Vous savez ce qu'on appelle maladie mystique? Tu expliques aux gens, ils ne peuvent pas te croire. Ben, ils voient, c'est comme tu es en train de t'amuser. C'est toi qui vis ta chose. C'est ça que les gens dans les difficultés, moi je les comprends. Je vous regarde, je vous comprends. Et parce que vous vous amusez, ils ne peuvent pas. Alléluia. Amen. Frère, les démons, si vous avez Jésus-Christ, le démon ne pourra rien contre vous. Amen. 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 Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. C'est pour ça que je le sais aujourd'hui. Aucun démon. Il y a les esprits qui les réagent quand on se réagit. Nous, on se réagit. On se réagit jusqu'à... Moi, je gagne. Il oublie de partir. Quelque chose même qui se font. Il y a des gens qui deviennent fous, là. Il y a des démons. Il y a des démons, quand tu les regardes, tu perds la mémoire. J'ai dit, Seigneur, des démons. Que les gens vont être contre moi. Dieu est puissant. Amen. Dieu est puissant. Fais des expériences avec Dieu. L'ange rentre dans ma chambre, on parle, lui et moi, on parle. Je pense que j'ai pas juste une minute ou 2 minutes. Oh, c'est une question de 5h du matin et 18h. Personne n'a osé me toucher à ma porte. Dieu est merveilleux. Je laisse la chose. J'ai là ma montre, il est 18h. On dit non, comme tu es. On ne te réveille pas. Chez moi, on ne va pas faire comme ma porte. Si je suis dans la maison, je chante les balais, je dis, va venir m'emmerder. Je suis là, je dis, mais. Je me réveille. Avec Dieu, on ne sent même pas le temps. Amen. Oui. Si vous êtes dans le ministère, vivez une expérience avec Dieu. Ça va augmenter votre foi. Vous savez, quand quelqu'un parle, un sort, je vais dire, mais qui parle là-bas? Toi, Crasso, là, t'es pas dit, tu attrapes sorcier. Moi, je suis sorcier, on m'a dit ça grand là-haut. J'ai dit, ah bon, il dit oui. Tu n'as pas dit, tu attrapes les sorciers de grand là-haut. Ici, là, chez ton terminé. J'ai dit, ah, monsieur, vous êtes courageux. Il dit, ah bon, il dit oui, vous êtes courageux. Comme Dieu, il ment. Parce que c'est lui qui m'a appelé. Je vois. Il dit, ah bon, il dit oui. Tout le monde est derrière lui, on me regarde. Parce qu'on sait sa compétence dans le village. On sait que c'est un mangeur d'âme. Lui t'a dit, il veut te manger.
Le soir, on appelle le service des ports funèbres pour aller t'enterrer. Mmh. Moi, je suis monté sur l'eau, j'ai traversé l'eau, on les attaquer. Le travail est fait en Côte d'Ivoire ici. C'est tout. Mmh. C'est pour ça que la presse m'a poursuivi pour me prendre ma... C'est la presse. Oh, ça ne m'intéressait pas, c'est la presse. qui me poursuivait parce que quand ils mettent ça au jour, à la une d'un journal, ça marche. Parce que les gens ils ont compris que les gens vivaient ça dans leur famille et tout ça. Je regarde le monsieur, je le regarde. On se regarde. Il fait des incantations. Moi, il commence à sourire. Je rappelle mon alias à Dieu. Je le regarde le monsieur en train de se couler. Le sang sort de ses oreilles. Oui. Il est tombé. Moi, il est traversé sur la tête. J'ai pas tout le temps. Oui, j'ai vu avec toi. T'as cherché? T'as trouvé? Je suis pas là, je ne sais pas que c'est. Non, Seigneur, le feu. Nous deux jours, c'est regarde. Tu vas regarder. Tu me regardes, non, je te regarde. Tu me regardes, je te regarde. Je te regarde. Chacun fait sa petite prière. Le voici là. Il saigne. Elle est tombée, je suis parti. Je n'ai pas cherché à savoir. Parce que le soir, croisade, ils ont dit, ah, prophète. Vous ne pouvez pas prendre la Bible, nous on croit bien à toi. On va chercher à te t'amener. Vous prenez la Bible, Jean 3, verset 5. Nous on croit à ton Dieu. Le méchant la vie à terre. Le méchant. C'est pour toi la vérité. Pourquoi ouvrir la Bible? Pourquoi pas la Bible? Toutes nos églises ici, là, c'est l'essentiel. Le gars, il est défi, il est là, il est prédicateur dans l'église. Mais oui, ils s'en foutent. Mais voici à terre. Pourquoi pas ouvrir la Bible? Tu te fais-tu? Laisse! Non, si Jésus est toi, on est toi. Si vous ne produisez pas de preuves, votre ministère ne sera pas efficace. Vous suivez un miracle. Moi, je suis un miracle. Je suis là où Jésus fait un miracle. Le Dieu ne fait pas un miracle. J'ai bien posé beaucoup de questions. C'est qu'il est absent. On est dans une église, tout le monde est là comme ça, comme dans un cimetière. Oh! Moi. Et puis je suis là. Non, c'est là-bas où mon papa partait en bas. Mon grand-père là-même, là, c'est là-bas où. Je ne suis pas venu sur grand-père ou grand-mère. Chacun se cherche. Moi-même, mes deux yeux sont là pour analyser des choses. Je ne suis pas bêtement les trucs. C'est quand j'ai vu qu'il y a bon là-bas, puis je suis rentré dans le christianisme. Quand David me blaguait pour dire t'es allé au paradis. Comment est le paradis? J'ai fait quoi pour le paradis? Que Dieu nous aide. Amen. Il y a quelqu'un, Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a quelqu'un, Dieu est bon. Dieu est bon. Donc tu es sorcier, c'est ça? Tu as tué combien? Combien? 17 personnes. Et tu as détruit le misère. Ça va? Tu es découragé. On va t'aider. Le ministère, on ne se lève pas comme ça pour dire, j'ai servi Dieu. Je vais te montrer qui a mis sur ma papa. Les sorciers. Moi, je sais. On va t'aider. En vrai. Quand il veut te parler, je dis à Dieu, c'est toi qui as dit ça. Il se réveille. Je connais quelle parole qui peut réveiller Dieu dans lui. Il a sinon. Quand je lui dis ça, il oublie, je réveille, puis il me regarde. Ah, parce qu'il m'a dit ça. Quand ils sont en danger, je lui rappelle ça, il se réveille, puis dépêche des anges. Il y a des anges qui dépêchent. Oui. Les anges sont à mon service. Vous jurez que vous ne les faites pas travailler. Ton âme, il bat, il dort, il te regarde. Comment tu vas travailler? Je n'ai pas allé fréquenter une église où je ne vois rien. Où c'est que je suis là, le seul monsieur, c'est lui qui prie. Celui qui fait tout, et puis j'ai dit Amen, et puis il m'a à la maison. J'ai rêvé encore la même chose. Moi, pour me gagner. C'est comme ça que je suis pas les choses bêtement comme ça. Donc il n'y a pas de preuve. C'est parce que Dieu s'est manifesté dans ma vie que je suis converti. Les oreilles où elles, ils savent qui peut les affronter. Eux, on ne les provoque pas. C'est pour ça qu'il y a les pasteurs, eux, ils parlent pas. Ils sont en Abidjan. Tu ne peux pas aller sur le territoire. Si tu es arrivé là-bas pour parler, si Dieu t'a pas appelé, il te mange. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Amen.
Que Dieu nous aide. Amen. Vous serez délivré. Amen. On va vous toucher, ça va changer votre destinée. Amen. C'est comme un ordinateur. C'est planqué. Tu réallumes, tu coupes, tu réallumes. Ça se met en marche. Amen. Ils vous ont planqué les sorciers. Quand tu réalises même, on n'a même pas envie de vivre. Ça va? Comment t'as besoin? T'as bien désiré. On te prend. Désiré. Salut. Moi, je suis le prophète Crasso. Ça va? Je vais prier après pour toi. Tu es d'accord? C'est pour ça que vous devez prier pour avoir l'onction. C'est la matière qui rejette le négatif. Quand vous avez un dépôt de l'onction en vous, quand quelqu'un est négatif, il est obligé de partir. Oui. Si vous engagez une servante, elle va voir que non, là où il m'en va, là, ce n'est pas mon territoire. Mettons, mais la sémence vient et puis elle mange chez toi. Cela me prend maintenant des destins, elle prépare avec le foufou, elle mange. La paix chaque fin du mois, elle mange ton intestin. Quand tu as l'onction, tout ce qui est négatif fuit. C'est comme ça la possibilité. Dieu à quelqu'un, tu es béni. Tu aimes Jésus. La vieille mère l'a vendue. Ils ont fait pied. Pas de bœufs. Vous connaissez les pas de bœufs, non? En compagnie de Hachiké. Du moins, ça ne m'était pas rassasié. Madame, je ne veux pas avoir deuxième. Elle a vendu pied. C'est bête la sorcellerie. À coup d'orteil, il peut aller aux États-Unis. À coup d'orteil. Mamie, dis-le, non, j'ai envie de manger. Quoi, orteil? Tu as l'impression qu'à coup d'orteil, prends un avion. Ils sont accro de la chair humaine. Or, si la personne avait 20 ans, s'ils sont 4, ils se partagent la même vie, ça dit 5, 5, 5 ans. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils ont la longévité. Pourquoi? Parce que l'âme se tourne dans le sang. Ils ne mangent pas ça comme ça, hein. Il y a quelque chose qui tire dedans, ils ont pris un profit. Là, tu vois le pépé. C'est pour ça que combattre la sorcellerie. Si vous êtes victime de ça, ne jouez pas à ça. Là où on règle ça, l'exil là-bas. C'est pas partout où on règle les sorcelleries. Il peut te parler ça, mais c'est pas partout. Oui, on va régler ça, il n'y a pas de problème. On va vous régler ça. On va enlever Nyeni, Nyeni, là, si vous Nyeni. Amen. Vous passez. Mon Dieu veut que Dieu nous aide. Amen. Dieu va vous aider. Quand tu cherches Dieu, il se révèle à toi. Tu ne cherches pas, lui, il s'en fout de toi. C'est quand tu te lèves pour dire, ah, mon problème est sérieux, je vais aller où on règle ça. Voilà, tu le vois sur ton chemin. Tu m'as dit dans ta chambre, il s'en fout. Faut pleurer, il s'en fout. Lui, il envoie deux barils, il pleure. Puis on va verser tel. Il s'en fout. Les larmes, ça ne dit rien à Dieu. C'est quand tu te lèves que Dieu agit. Ça va? Et tu as gâté le ministère ta maman. Ton ministère était. Viens où ça? Ah, je suis. Qui t'a consacré? Le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel. Ok, laissons tout ça. Nous allons t'aider. Comment tu as gâté son ministère? Tu n'as pas aidé parler. Il a gâté son ministère. Comme elle fait l'œuvre de Dieu là. C'est ça qu'on appelle ministère, non comment? C'est ça, il a gâté son ministère. Mais comment? Qu'est-ce que tu as gâté? Il a gâté sa vision. Eh ouais, clair. T'as fait comme l'autre là. T'as fait comment t'as gâté? Je parlais ça, j'ai prononcé une parole, et puis j'ai prononcé, enfin ça a mis ma main, et puis ça a gâté son ministère. Et ça, je mettais un peu, le prophète est là-bas, je le mettais en parable,
toujours, toujours son palabra. Oui, ça c'est un élément très important. Souvent dans une maison, que la division commence à naître, vous allez être convaincu que le diable va vous manger. C'est pour ça que si vous êtes dans une maison, faites un effort, que ce soit le personnel, que ce soit tout. C'est vrai qu'on peut se mettre en colère, mais faites un effort pour vous entendre. Parce que ton problème ne vient pas d'ailleurs, ça va venir de ta maison. C'est là où tu es, là ton problème va commencer. C'est pour ça que quand tu ne maîtrises pas une personne, ne l'envoie pas sur ton toit. Si tu veux aussi, si tu vis avec cette personne sur ton toit, il faut la maîtriser. Il faut être convaincu que la personne est avec toi. Sinon, il va fuir d'informations qui vont t'attaquer. Parce que la Bible dit que tu auras pour ennemi les hommes de ta maison. Amen. Amen. Donc le diable, il divise pour régner. C'est comme ça. Diviser pour régner. C'est pour ça qu'il ne faut pas te confier à n'importe qui. Quelqu'un veut parler, s'il a envie de causer. Tu me connais où? La première fois, c'est toi qui parles. Tu dis, mon mari m'a fait ça. Ah, il avait ça. Quand il parle, mais il ne nous donne pas l'argent. Ah, il donne pas l'argent. C'est fini. C'est dehors maintenant, j'avais dit. Il ne te donnait pas l'argent, non? Elle va aller doser ça. Quand il te voit maintenant, il dit, mais dehors! Ne vous confiez pas n'importe qui. Sinon, c'est un problème. Amen. Amen. Si vous rentrez, vous voyez quelqu'un qui rentre chez vous à la maison, si la personne commence à toucher vos clés, commence à faire très attention à cette personne. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Regarde. C'est des signes. C'est pas chez toi. Assieds-toi. Tu vas chez quelqu'un. Mais c'est joli, hein. Mais puis quoi? Toute la nuit, mais là, il n'a pas envie de dormir, un peu chaud. Tu la voyais tout dans le salon pendant que tu dors. Oh là, elle a déjà tout pris dans la main. Spirituellement parlant. Vous savez quand même d'où jouaient les enfants. J'ai mes enfants. On va donner ça à l'enfant. L'enfant va te manger. Parce que quand un sorcier vient dans une maison, il va avoir plusieurs points de contact. Initier forcément une personne. Au travers de cette personne, avoir, n'est-ce pas, les informations. Quand il traverse la maison, il a mis quelqu'un dedans. Qui fait comme ça, et puis place sa caméra. Regardez très bien, quand elle commençait, si c'est la première fois qu'elle a mis pied dans la maison, elle va commencer à bouger vers la droite. Oui, elle bouge vers la droite, à l'angle. Elle va commencer à faire comme ça, c'est fini. Elle a poussé sa caméra. Elle va venir s'asseoir, elle va commencer à se balader, chercher de l'eau. Elle va aller de l'autre côté. Les deux points de contact suffit pour avoir tout un regard sur ta maison, pour visiter ta maison. Ils savent tout sur toi. Amen. Amen. Regardez le comportement de chacun. La méchanceté, comment la personne ne partage pas, comment elle est bizarre. Vous allez lire la sorcellerie de vous. Vous parlez de quelqu'un, je suis la personne. C'est que vous avez dit là, vous attendez ça dehors. C'est qui? Elle ne peut pas garder secret. Oh, il faut garder. Quand je suis avec toi, c'est pour m'aider. Toute une information, tu gardes. La personne ne peut plus garder ce guide-là. C'est un sorcier. Là, ne vous confiez pas à n'importe qui. Ta maman a dit quoi? Tu sais où elle va la nuit? Mon papa, tu sais où il s'en va la nuit? Chacun va dormir. Tu sais où l'autre en va? Oh, comme c'est ma maman. Oh, il y a un bon mari, maman! Allô? Le monsieur, il va marier. Il va te marier. Quel jour? Oh, la maman même là. C'est toi même qui est sa femme. Elle voyage, elle va à Paris, elle t'embrasse un peu, elle vient le soir. Le matin, elle t'embrasse, elle vient. Ah, il va te marier. Comment il s'appelle? C'est comme si c'est quand André, le monsieur voulait faire. Tu donnes. Il est gentil, il habite vers où? C'est fini. Quand tu appelles monsieur matin, il est fâché. Il t'appelle même plus. Lui qui avait l'habitude de t'appeler là. Tu dis peut-être qu'il est trop occupé. Après ça, tu vois qu'il ne t'appelle plus. Quand tu appelles un peu occupé, préoccupé, et puis il a une manière de te répondre bizarre, ça a commencé.
Ça a commencé, hein? Mais là, tu n'es pas trop vieux, oh, mais laisse-moi travailler. Après ça, c'est Orange, bonjour. Au correspondant, il ne peut pas te joindre. Orange, bonjour. Au correspondant, ça choque. Là, souvent, c'est petit, ça te manque. Chérie, je t'aime. Tes petits textos, là. Ça te fait rêver un peu. Les femmes aiment bien ça, ça les fait rêver. Ou je t'aime au téléphone avant de dormir. Tu te réveilles, il ne fait plus ça. C'est fini. Elle a avalé le mariage. Mais il y a des signes. Je me suis confié à toi, ça va marcher. Elle est venue me confier encore à toi. Maintenant, comment c'est ma maman? C'est ta maman comment? Non, elle n'est pas sorcière, sinon elle allait manger. C'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui te protège. C'est la grâce de Dieu. Ne dis pas non, là-bas, comment? C'est la grâce de Dieu. Il y a des gens, Dieu protège comme ça. Parce que Dieu veut aller loin avec eux. C'est des gens qui sont, qu'on appelle, les sources de bénédiction. Ceux-là. Dieu sait que dans l'avenir, ils vont apporter beaucoup de choses aux gens. Je commande aux forces des ténèbres de lâcher ton âme. Je maudis cette présence satanique. Oui, dans le nom de Jésus-Christ, je maudis cette présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de Dieu. Colère de feu! Colère de feu! Colère! 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 Feu! Le feu! Il ne veut pas sortir de son corps. Et pourquoi? Qui es-tu? Qui es-tu? Cette fille est très dure. Qui es-tu? Père, il est livré il y a longtemps. Qui es-tu, ton père? Je suis Péléye, toi. Tu viens d'où? Je viens de Tabou. Tabou. Depuis quand tu l'as livré? Très longtemps. Très longtemps. Bravo. On est un mouton. Un mouton est mort. Cette fille est vivante. Pourquoi elle est vivante? Depuis qu'elle a, depuis comme ça fait combien de temps? C'est dans son corps, je rentre, je sors. Ah. Mais elle va partout, on me charge, je rentre, on me charge, je rentre, on me charge, je rentre. Ah. C'est son image, sa photocopie. Qu'est-ce que tu as caché dans sa vie? Je ne veux pas qu'elle se marie. Tu veux pas qu'elle se marie? Lui est gâté, tout, 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 tout. Comme tout, quoi? École, mariage, bénédiction, tout. Tu as tout gâté? Oui. Et pourquoi? Je ne veux pas qu'elle soit à l'aise. C'est tout. Ta profite? Oui. J'aimerais qu'il vienne des gens. On m'a dit de livrer la fille que j'aime plus sur la terre. Donc je livre ce que j'aime. Et j'ai livré ce que j'aime. Ah, tu as livré ce que tu aimes? Oui, ma photocopie. J'ai fait comment? On dit de livrer ce que tu aimes. Lâche-la. Toi, parce que tu es fondée. Elle a laissé une femme féticheuse. Je suis sortie la nuit sur l'entrée. Mais je combats aussi. C'est un démon qui la fatigue. Tu comprends pas. Oh, parleur, là, il la fatigue. Tu vas la libérer. Lui, il se promène en haut, là. Il rentre dans son pied, le dedans même. Titi, c'est joué. Il fait elle son corps. Qui? Il fait tout, tout, tout. Il fait tous les dessins qu'il veut. J'ai l'impression qu'elle-même, ils ont mis les bagages de la sorcellerie. Amenez-la ici, amenez-la ici. De la sorcellerie. De la sorcellerie. Pasteur, elle est là. Je sens qu'elle-même est dans la sorcellerie. Va la dire. Va la ramener. Dieu a quelqu'un, Dieu est bon. Dieu est bon. Va la dire, va la dire. Henri, je fais veiller là ici. Hein. Bah, pourtant, je me suis bien apprêté. Ce soir, délivrance, on va faire. Oui, il faut que vous soyez délivrés. Amen. Amen.
nous ne vivons pas sur cette terre par accident. Dieu ne s'est pas trompé pour dire non, je vais te... Non, je suis trompé. Non, ce n'est pas lui qui devait fabriquer. Non. Il a pris son temps. Il t'a bien dessiné. Tu as fait jusqu'à 9 mois dans le vent d'une phare. Elle a poussé tes venir au monde. Ce n'est pas pour jouer sur cette terre. C'est vrai. Dieu met au monde des champions. Amen. Il met pas au monde des faiblards. Malheureusement, c'est la destinée qui est attaquée par la sorcellerie. C'est à cause de ceux-là que les gens sont faibles. Sinon, Dieu met au monde des champions. Merci. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Nous allons vous rétablir dans tous vos droits spirituels. Amen. Elle est arrivée quand? Tu parles français? Je parle suédois. Et aussi, moi, je l'ai traduit, mais je vais aussi me débrouiller. Vous êtes venu avec qui? On est venu seulement. Combien? Avec notre oncle, mais il est parti, il s'est retourné à Abidjan parce qu'il a eu peur. Et mon papa, la fille même a dit, le bénéfice. Janvier, c'est elle-même qui est venue chez ma mère pour dire qu'elle a peur parce qu'il y a des gens qui viennent libérer. Et c'est ma grand-mère qui est ici. Il dit, pour partir jusqu'à la semaine. Mais toi, des gens qui ont non, ça fait mal. C'est pas que oui, mais doucement, doucement. Parce que c'est nous, seulement nous, dans toute la famille. Elle a détruit toute la famille. C'est seulement nous. On c'est a reçu. On est du là. Ok. Donc c'est seulement nous on a reçu et elle a fait tout. Pour vous gâter. Pour nous gâter, elle n'a jamais reçu. Jusqu'à elle a dit à ma maman que toi, tu es difficile. Mais tu vas voir. C'est là elle est rentrée chez ma soeur. Et ta mère, elle est où? Elle est en Suède. Ok. Donc, et ton père, il est où? Ils sont là-bas. Et pourquoi vous n'avez pas encore compris? Non, parce que le jour que la fille a dit, ma petite soeur a dit, et je suis la première enfant, et ma maman m'a appelée, elle me dit, elle est là pour ta petite soeur en train de me dire des choses ici. Mmh. Donc elle a fait des avis à ta mère? Oui, c'est là que je suis venue à la maison, elle m'a dit elle-même. D'accord. Mais en même temps, elle mentait. Parce qu'elle a peur. Si. Elle dit qu'elle a peur, mais elle dit qu'ils sont dans la maison. Si. C'est là que j'ai dit à maman, aujourd'hui c'est vendredi, lundi on s'en va. Et papa, il ne pouvait pas venir. Okay. Maman aussi ne pouvait pas venir parce que ça fait du travail, c'est tout. Si. Maman ne fait que pratiquer. Papa ne fait qu'on ne comprend rien. C'est seulement moi qui travaille. Mais tout le monde, je ne comprends rien. Donc c'est moi qui avais l'argent. Okay.